Dans cette vidéo, nous allons voir 25 nouveaux titres avec effets spéciaux de la version 12.5 de Filmora. Passons sur mon ordinateur. Alors bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir ces 25 nouveaux titres avec effets spéciaux. Alors, à savoir que la version 12.5 n'est pas encore disponible. J'ai eu la version en avant-première. J'imagine que vous allez pouvoir l'installer bientôt, en juillet ou début août. Alors, à savoir que je travaille aussi sur la version anglaise, car la version francophone n'a pas encore ses nouveautés, et que je suis sur un PC. Pour l'instant, ces nouveautés ne sont pas disponibles sur Mac, mais à terme, ça devrait l'être aussi. Donc on voit, c'est la version 12.5, etc. Et c'est bien écrit en gros « test ». Alors ces titres avec effets spéciaux ont été ajoutés dans la catégorie « titres ». Et on voit cette nouvelle catégorie « VFX texte ». Donc quand je clique dessus, on voit qu'il y a 25 nouveaux titres. Quand il y a des diamants roses, ça veut dire que c'est payant. Il faut avoir un abonnement Filmstock. Si vous ne voulez avoir que les titres gratuits compris dans l'abonnement Filmora, il faut cliquer sur ce menu déroulant et sélectionner « Gratuit », enfin « Free » dans la version anglaise. Et là, on voit tous les titres qui ne nécessitent pas un abonnement. Donc, je vais en prendre un au hasard. Je vais prendre celui-là, que je trouve plutôt pas mal réussi, « Light Flash ». Donc, il suffit de le télécharger, bien évidemment, et de le déplacer sur la timeline. Pour le personnaliser au niveau du texte, c'est toujours pareil. On double-clique dessus pour faire apparaître le menu contextuel et on le change. Ok, une fois que vous avez modifié votre texte, je vous conseille de lancer un rendu en cliquant sur ce bouton. Parce que ce sont des titres qui demandent beaucoup de ressources au niveau de l'ordinateur. Donc maintenant, repassons le titre en question. Donc là, il y a en surimpression des effets d'éclairs et d'électricité, on va dire. Donc je vais ajouter d'autres titres sur la timeline, ça va vous permettre de vous faire une idée de cette nouveauté. Ok, le rendu est fini, passons à la vidéo. Donc voilà, c'est une des nouveautés de la version 12.5. D'ailleurs, il y en a d'autres. Je vais sortir des prochaines vidéos à ce sujet dans les jours qui viennent. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, etc. Vous connaissez le refrain. Allez, ciao et à la prochaine, j'espère.